Quand j'étais petit, je me baladais pas en socket, gars. Je me baladais en bottine. Je te bottais le cul, mon gars. Moi, je faisais mes lacets à 3 ans. Je faisais des nœuds marins. Les gens, ils étaient là, ils me demandaient... Demande à ta mère de faire tes lacets. Peut-être que ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, you know... Peut-être que ceux-là savent que je déménage. Le décor va changer. Ouais, mon gars. Mais en attendant, qu'est-ce que je trouve? École primaire, dis donc. C'est intéressant, ça. Cahier de religion. Deuxième année scolaire. Attention les amis, peut-être très doué en dessin. Oui, bon bah les têtes sont carrées parce que voilà, hein, avec les bottines déjà à l'époque, ça castagnait. Bon, visiblement le cours d'orthographe était pas encore venu, hein, ça c'est pas... Papa me fait plaisir pour me laisser jouer à l'ordinateur. Alors je sais pas si j'étais dans une blague africaine, ça je ne sais pas, c'est possible. Papa me fait plaisir pour jouer à l'ordinateur. Je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, ça respirait la joie, hein, ce cours de religion, la prière au cimetière, oui, bah oui. D'accord, donc là on est sur une base de professeur qui te souille dès la primaire. Tu fais un truc avec le cœur, voilà, tu écris quelque chose, avec le stylo. C'est un peu, voilà, il y a un peu de gribouillis. Quel est le commentaire? C'est ça, tu recommences. C'est dégueulasse ce que tu fais. Oui, t'as 6 ans, Mathieu, mais ça on s'en fout. Je te traite comme un adulte. À Nazareth, Jésus a grandi en taille, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Encore un peu, je m'emballais. Jésus a pris du galon, de la street credibility et de la carrure. Ah, le bench, je sais pas comment il a travaillé. La religion, on en a soupé, hein, les gars. Quel bavard, ce Mathieu, je te jure. C'est... Visiblement, j'avais déjà, à cette époque-là, un idéal féminin. Voilà, elle s'habillait avec un espèce de cerceau. Une jupe qui restait donc attachée grâce au cerceau ci-dessous. Très peu de cheveux, voilà. Un petit peu, mais pas trop. Ah, il aura pas suffi plus de 2 pages pour que mon idéal féminin change. On est sur un bail de cerceau beaucoup plus bas. C'est le côté catholique qui jouait un petit peu sur moi, là. Toujours dans la joie, hein, et la bonne humeur, puisqu'on a des yeux complètement noirs, hein. Cheveux noirs. Le blanc, ça j'ai essayé. J'ai essayé la petite là, la petite blonde, mais j'ai fait le tour, maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, là je suis sur la petite Natalia là, ouais, elle est beaucoup plus exotique. Mon dieu, oh, je viens de lire 2 phrases d'un petit couplet que j'ai écrit comme ça là. Mais en vérité, je fais tellement de fautes d'orthographe, j'ai l'impression d'avoir écrit ça en mode bédard. Dans le creux de ma main, il y a 3 chemins, j'ai pris celui du milieu, ça sentait bon là l'avant. J'invente pas, hein. C'est vraiment ce qui est écrit. Et je venais de toucher, et ça sentait même la pomme. Et je venais de toucher. J'ai un problème avec le toucher, visiblement. Le baiser de ma maman avait posé avant de travail sur le chemin. Ouais, je sais pas. Est-ce que j'ai fait ça avec un polonais? Je déconne, j'adore les polonais et leur manière de construire des bâtiments. Quoi? Ah ben je crois qu'il était temps, effectivement. Le petit cahier d'orthographe, il devait sortir. Ça, j'en aurais bien besoin encore maintenant. On retrouve les bonnes vieilles gommettes, hein, voilà, c'est... Un sapin, un petit... un espèce de Père Noël, hein. À mon avis, quand t'es prof, hein, tu donnes un petit peu ce que t'as sous la main, quoi. Oh putain, les gars, j'ai reçu un clou, les gars. Un clou, là, ça veut vraiment dire que j'ai vraiment bien bûché, quoi. Tout à fait, Brandon. Félicitations. Eh ben voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi et ma petite trogne, hein, de petit con, quoi. Sois heureux. T'es invité au repas du Seigneur. Ouh. Je raconte. 3e année. Je ne connais pas ce cours. Savoir téléphoner. Si la personne n'est pas là, je rappellerai plus tard. Oui, je vous laissais un message. Visiblement, on était en année préparatoire de secrétariat. Ça, c'est une chose sûre. Oh, je trouvais quelque chose de mignon. Mes voeux pour 1998. Belle année. Merveilleuse année. FIFA 98 est toujours là, dans nos cœurs. J'aimerais que mon chien vive plus longtemps. C'est mignon. Ça n'a pas marché, il est mort. Donc, alors là, je sais pas ce que j'avais bouffé, mais j'avais 15 ans de plus. Un gentil papa d'élève, pianiste, nous a invité à un concert de musique classique d'un compositeur russe du siècle passé. J'écris, ne me dérangez pas. Nous avons pu regarder les tableaux de l'exposition. Ils représentaient des costumes ou des décors de théâtre et de ballet. De ballet, oh mon dieu. Je sais pas ce que j'essaie de faire maintenant, je sais pas. Est-ce que c'est des oiseaux qui chient sur un arbre, qui n'a plus de feuilles? Je sais pas, peut-être. Je jette des petits bulletins là. 80% bien sûr. Avec une petite mention spectaculaire pour les activités d'éveil, excellent. Casse les couilles à tout le monde, il est très éveillé. 2e année. Oh là là. Mathieu doit se réveiller en classe. 5 points plus, montre que tu es là. Défends tes idées, Mathieu. Défends tes idées. On est en 2e. Défends tes idées, Mathieu. Convainc le jury, convainc l'assemblée, Mathieu. J'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Les petits mots que j'envoyais à ma mère. Pour maman uniquement, attention. Demain, essaye de me rappeler que tu dois signer mon bulletin. On comprend pourquoi il fallait pas en parler à papa, hein. Alors ça, mes amis, c'est le clou du spectacle. On est sur une plume. Hier, j'ai eu 36,9 degrés. Précision, les gars, précision. Et normalement, je ne devais pas aller à l'école au début. Je voulais rester à la maison. Mais j'avais une envie de pleurer. Sache-le, maman, j'avais envie de pleurer. Et pour finir, ça a quand même été. Voilà, au final, ça a été, mais il faut que tu saches ce qui s'est passé avant. Si tu étais malade, de 36,9,99. C'est pas une blague. 36,9,99.
le plus haut level. Et que tu as mal partout, tu irais à l'école? En tour. Oui ou non? Est-ce que tu irais à l'école, maman? Si tu avais 39,99 degrés, température, tu irais à l'école? En tour. Non, ne dis rien, en tour, en tour. Et tu me le renvoies par la boîte à lettres de la chambre. Dès que tu me réveilleras, tu me diras la réponse tout de suite. Il faut que ce soit fait, il faut qu'on soit clair. PS, je te raconterai ça demain avec plus de détails. Voilà. Tu en sauras plus demain. Comment est-ce que tu veux que j'assume ce genre de truc? Bon, j'ai pas sorti les photos dossiers de l'époque, hein. Ce genre de truc-là, je peux pas vous montrer, moi, ça, c'est pas possible. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Très important, sinon, on ne sait pas que tu es là. Encore plus si tu regardes toutes les semaines et que t'es pas abonné, mon gars, qu'est-ce que t'attends? Bon, je voudrais pas griller le bazar, mais je crois que ma mère a retrouvé une bonne caisse bien remplie de secondaires. Avec des vêtements que je portais à l'époque. Je verrai, peut-être que je ferai une vidéo aussi. Voilà, dites-moi si ça vous dit aussi, hein, comme ça, on est au courant de tout. Allez, sur ce, à bientôt.